giorno. Una riservazione per una società di produzione per due giorni. Madame Michela, peut-être c'est un acteur très connu. Ti uccide liberi. Ne giunto nulla straorta. Poca storia, no? A meno che ce soit un producteur. Non, sérieux, au bureau, à la poste, tout le monde parle de la nouvelle série qui va se tourner en Corse. Oui, c'est vrai. Il y a la nouvelle saison de Nationalistes qui devrait se tourner ici. En tout cas, Madame Michel, c'est super bon aujourd'hui. Hein. C'est régalé, comme tous les samedis d'ailleurs. Madame Maria, elle se surpasse. Moi, je dis même que c'est meilleur que les autres jours. Bon, ne le répétez pas. Mais le samedi, Maria, elle a son cours de théâtre à la MJC. Et donc, elle n'a pas le temps de préparer le repas. Alors Alors, on commande le traiteur. Le traiteur. C'est quoi ça, le traiteur? Traiteur pour la bourrée? Quel con, y'a! Pas pour la bourrée, un traiteur! C'est quoi d'ailleurs le traiteur? Mi ricordo mica. Ah. Allez, bon appétit! Che questo? Celui-là ne m'inspire aucune confiance. On dirait un représentant de commerce. À moins que ce soit le producteur! Bonjour! Bonjour! Vous désirez? On a réservé pour moi, société Spaghetti Prod. Ah, c'est vous! Bon, écoutez, je vais aller vous préparer votre chambre. En attendant, vous désirez boire quelque chose, peut-être? Je veux bien, oui, merci. Un petit café. Très bien. Qu'est-ce qu'il a à me regarder, celui-là, hein? Peut-être, monsieur Gigi. Comment vous expliquer? Il paraît que dans le milieu du cinéma, ils sont un peu comme vous. Je comprends pas du tout. Non, peut-être qu'il doit me prendre certainement pour un grand acteur. La maman m'a dit toujours que je ressemble à... Comment il s'appelle, celui... De Niro. De Niro? Ouais. Moi, je dirais plutôt que vous ressemblez à Fernandel. Qui c'est, celui-là? Un comique de par chez moi. Je vais aller vous faire votre chambre. Merci. Arnaud, tu me gardes le bar un instant? Pas de problème, madame Michel. Regardez, me regarde encore. Oh, putain, viens. Je me présente. Marc Di Giorgio. Tu sais que tu es beau, toi. Porca miseria, va fammi bagno tu, ma che cazzo vuoi? Et en plus, tu parles corse, mais c'est parfait. Non, 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 je parle pas corse. Je te laisse immédiatement mon numéro de téléphone. Non, non, tu laisses rien du tout, écoute-moi bien. Hein? Tu vois cet hôtel? Il est bien trop petit pour des représentants de commerce, d'accord? Alors tu vas aller faire ton business ailleurs, parce que moi, je t'aime pas. Hein? Et j'aime pas tes cheveux blancs. Non, mais je comprends? Je suis casteur. Toi et quoi, casteur? C'est quoi ça, casteur? Hein? C'est un animal qui a la queue plate et qui mange les arbres, c'est ça, hein? Je suis casteur, je cherche des comédiens. Ah, tu cherches des comédiens? Oui. Ah, tu... Excuse-moi, oui, c'est toi. Je travaille pour une série, pour la télé. Nationalista. Vous connaissez? Vous connaissez? Non. Bon, c'est pas grave. Ça t'intéresse de jouer pour la télé? Io? Si. Je sais pas, parce que... C'est-à-dire, je suis un peu timide, alors bon... Maman disait toujours que je vais être un grand acteur, mais je sais pas... Mais en Gigi, enfin, vous êtes bourré de charisme. Enfin, vous êtes de la tchatche. Vous êtes toujours en représentation de ci, de la patin couvain. Écoutez-moi, vous allez devenir un acteur extraordinaire. Vous allez crever l'écran, oui. Comme Michel Galabru. Comme Michel Galabru. Michel Galabru. Michel Galabru. Ouais. Qui c'est celui-là? C'est le nom. Je connais pas. Quelle fougue, quelle verve. Mais tu sais que tu es beau, toi? Moi? Non, mais... Monsieur Marco, si. Tu parles corse? Un petit peu. C'est Milesco la Gorse. C'est parfait. Tu veux jouer dans la série? Non, monsieur Marco, c'est moi qui dois jouer dans Nationaliste. Non, vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit non, c'était pour être poli. Maman m'a toujours dit, d'abord tu dis non, mais après tu dis oui. En plus, je suis plus beau que lui. Ne vous inquiétez pas. Il y a des rôles pour tous les deux. Ah. Hein? Alors, ce soir, 21h, au théâtre municipal pour le casting, je vous attends. Théâtre municipal. C'est ok? Ok. Noté. Parfait. 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 Votre chambre est prête, je vous la montre. Tu sais que tu es belle, toi? Pardon? C'est la 8. Merci. Bon, il ne va pas arriver, là. Moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi cette série, maintenant. Putain, moi aussi, je suis excité comme une puce. Oh, Gigi. En plus, il paraît que c'est hyper connu comme truc. Ah bon? Ouais. Madame Michel, vous la connaissez, vous, la série Nationaliste? Sigura. Tout le monde a connu un nationaliste. Hein? Et ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune femme corse. Mmh. Son père, c'était un chef nationaliste. Il est tué lors d'un attentat, commis par une bande rivale. Et puis ensuite, c'est elle qui reprend les affaires en main. Ah. Ça a l'air violent, ça, non? C'est pas violent. D'une una vergogna. Et pourquoi? Parce que c'est une série qui véhicule des vieux clichés sur la Corse. Ils font sauter au moins 3 hôtels des impôts par épisode. Ma d'une una vergogna, Dieu. Aïe, Lucien, à quand on couque ça, n'est?
et prime stagione la nuova in Alsace, ad Arza, in Britannia, in un episodio si vede nuovo in cui dolmeni, aiù. Perché allora. Si passa a Filidosa? Aiù, non c'è mica dolmeni in Filidosa. In un episodio si vedono due bigudeni e un bignù. Un nemico genna di l'alba, no? Oh, ma va la venita, va là! Un bel nonno gira qui, qui sa. E allora, cosa ho lì più? Oh, dimmi appena quella trige, Yasmine de Montfort, gusa 100 binzù. Moi, j'adore l'accent pointu. Claro. Je trouve que ça chante. C'est très beau. Yeah. Ma un piano mica torre chi so di qui. O facciano qui, o casting? E sicuro facciano qui, ma non abbiamo mio un marseillaise e un lucchese. Allora, là, je vous arrête de suite, monsieur Lucien. Parce que être corse, c'est faire partie d'une communauté de destin. Ouais, on ne naît pas corse, on le devient en vivant ici. Tu facciamo un culano che tu si sbarcato qui. Alors, je vous rearrête. Parce que ça fait un an et deux mois que je suis ici. Et maintenant, je parle mieux corse que vous. C'est monsieur Petranto et madame Michel qui me l'ont dit. Cosa tu? Rabbè, fa le biege. Ah bon? Monsieur Marc, vous arrivez à temps. Attends, pourquoi? Je sais pas, mais vous tombez bien. Messieurs, j'ai les scénarios. Attention, tout ceci doit rester confidentiel. Pas de problème. Alors, toi, Gigi, tu es Pascal Paolini, un berger de la montagne de Bastia. Un peu sale, un peu rustre, un peu en cavale. Et toi, tu es Sampiro Bonaparti. Ouais. Tu es l'avocat véreux. Mais plein de femmes qui lui tournent autour. Enfin, non, mais... Alors, c'est pas possible, ça, on échange comme ça. Et pas con, lui, pourquoi on changerait? Je veux bien, moi, l'avocat. Enfin, moi, tu t'es vu et tout m'a vu. Et Coco, c'est moi le spécialiste, ok? Dans le métier, on m'appelle Marco, l'œil de lynx. Je fais toujours mouche à chaque fois. Mais regarde, ça ne marche pas. Pourquoi? Faites-moi confiance, ok? Ça va être très bien. Ouais, mais ça vous fait pas peur de prendre Gigi et moi? On n'a aucune expérience dans l'actorat. Moi, je travaille à la poste, lui est représentant de commerce. Écoutez, l'actrice principale au début. Hein? Elle n'y connaissait rien, métier d'actrice. Ah bon? Rien du tout? Rien du tout, une page vierge. Ce qui compte, c'est l'authenticité, d'accord? Ouais, peut-être, mais bon, enfin, moi je pense qu'il faut savoir jouer un minimum quand même. On parle de série. En fait, je vais vous dire, on est beaucoup plus proche du documentaire. Maintenant, il y en a marre de tous ces clichés, hein? Alors écoutez-moi bien, monsieur le castinger. Il n'y a pas que des nationalistes ici. On ne fait pas tout sauter! Oh, Lucien! Oh! Guarda come si tanto piazza due, hein? Perché chi cucù due essere un hotel, scusa, hein? Insomma, non c'è mica bro. E poi, i gorsi, non sono mica sempre in traccia di vasista, o di bracona wanka, o d'andapia un casino Nizza, o di giappa macchia, e ce n'è una deccia, wa, hein? Tu sais che tu es beau, toi? Hein? Quoi? Je sais pas. Pourquoi? Ça te dirait de jouer dans la série. Mais non, je vous ai dit que je peux pas. Cette fougue, ce talent, cette classe, cette dignité naturelle. Ah. Tu seras parfait, Coco. Je vais te montrer ton texte. Apprends ça pour demain. Je vais faire de toi une star. Bon, alors, comment je dis sur Boultade, à ce moment-là, vous donnez vos répliques. Mais comme aussi, boulet. Voilà. On ne regarde mica. Voilà. Et Maria. Hai fatto casting anche tu? Oh, si scema, no. No, faccio appena di coaching per la lingua corsa. E come ho fatto 4 anni di teatro, non l'aiuto appena, vedi? E ci sorte, no? Oui. Oui. Enfin, per la lingua non è mica qui, eh? Ma per il yoga, anche di meno. Allez, mi giurerebbe che sia da strubè da rebiga. Ti interessa, Oliva? Allez, allez. Oui. Patron. Oui. Oui, patron, oui. Allora, guarda, tu fai Antone, ovvra deluda giovana, tutto il mondo credi a morto, ma di bultato, si è fatto per si è fatto riva, e awa ha cambiato di sé su Zidia Magolomba. Ah, oui, quand même. Voilà, hein? Oui. Baba, allez. So bultata. Mica possibile. Non ci credo mica. Oh! C'était bien, non? Non? Va bien envoyer, hein? C'était. Ma. Et à Zébida? Quelle suite? C'est tout, hein? Et comment? Et vous avez qu'une phrase? Oui, on a une phrase. Mais tu as vu? On a été bon, non? Non, vous n'avez pas été bon, c'est pas ça. Oui! Oui, patron! Bravo! Oui, patron. C'est pas possible. Un chigre d'humide. Oui, hein? Patron. Un chigre d'humide. Guarda adesso, avec le... Ah! Ah! Bonjour.
Oh, on a répété comme des jobastres. On connaît le texte sur le bout des doigts. On les montre. Moi, je me sens pas bien, hein, j'ai la pression. Ne vous emballez pas, j'ai une mauvaise nouvelle. La prod m'a appelé, ils ont reçu des menaces anonymes. Ils ont pris ça très au sérieux, et donc, comme on peut pas se permettre de prendre le moindre risque... Bonne mère, ça veut dire que vous faites pas la série? Ça veut dire qu'on va ailleurs. Et donc, que les rôles locaux vont être supprimés. Désolé. Et vous allez le tourner où? En Franche-Comté? Dans le Larzac? En Sardaigne. En Sardaigne? C'est moins loin, c'est pas cher. Et puis bon, ils ont les mêmes chèvres, les mêmes bergers, le même fromage. Et puis par le Corse, là-bas, voilà. J'étais si loggi. Ma mica possible. Un cemman compé sous les montagnes, et pourquoi l'on prend le mica au gorso? Parlano ulucaise. Non, ils parlent le sarde, hein. Alors c'est eux qui vont avoir le tournage, c'est ça, hein. C'est bousé, c'est feignant, hein. Sont tous les mêmes, les sardes. Ils pensent qu'une chose, c'est leur indépendance. C'est simple, la Sardaigne, c'est la Corse de l'Italia. Ma cosa dici tu? Non, mais je veux dire un pire. Alors écoute-moi bien maintenant, monsieur le castor parisien. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu es très beau quand tu te mets en colère, Coco. Tu vas casser la baraque. Hein? Arrête un peu de me flatter, arrête un peu de me flatter, c'est facile, non? Et puis je suis pas ton Coco, Coco, ça va? Garde ta fougue pour le plateau. Ils ont conservé ton rôle. D'ailleurs, ils ont reçu ta cassette, ils ont adoré. Hein? J'ai fait une petite démo pour montrer mon talent. Ils m'ont trouvé bien. Ils ont adoré, je te dis. Quand ils voient le talent là-bas, ils le reconnaissent. Et quel talent? Ah, tu deviens maintenant une star de la télévision. Ben, si je te le dis. Évidemment. Ils ont pensé que tu étais le parfait François Martin. Martin? Pas Martini, non? Ben non, Martin. Martin, l'adjoint du commissaire Durand, qui vient de Marseille. Enfin, tu as lu le scénario? Oui. Enfin non, enfin, moi je crois que c'était Martini. Enfin, je crois qu'il y avait une erreur dans le scénario et que vous avez oublié le « i ». Mais bon, allez, c'est pas grave, je vais reprendre mon rôle, allez. Coco, c'est pas grave. Je t'appelle au printemps quand on tourne. Messieurs, je suis désolé pour vous. Ouais. Salut, à bientôt. Ciao, ciao, va bien. Je vais jouer un Français. Tu sais quand je vois ça, là? Moi, quand je vois tous ces Corses qui prennent le rôle des Français, eh bien, ils me viennent à charbon, là, ils me viennent, toi. Patron.